Salut tout le monde, je vais vous présenter Rocket Bird, jeu aventure indépendant, développeur Ratloot Asia. Le prix est à 7,99€. Date de parution le 15 octobre 2002. 2012, excusez-moi. 15 octobre 2012. Langue anglais, français et pas mal d'autres langues. Donc ils disent comme dans certains jeux audio, mais en fait c'est pas vraiment l'audio, c'est du grand n'importe quoi. C'est juste les sous-titres. Voilà. Je vais juste faire un truc, je vais baisser un peu parce que... Voilà, musique, franchement, nickel chrome. Donc se joue avec la manette ou la souris, hein. Voilà, si vous avez une lunette 3D, ce serait parfait. Profondeur 3D, comme... je vois pas trop en quoi ça change. Ouais, bon, on va le mettre comme ça. Vous voyez, hein, français, italien, beaucoup. Ah, bah là, je suis le maximum. Voilà, et anglais. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez français. Joue, manette. On peut jouer à deux. Hop, retour. Voilà, on peut jouer soit seul, soit en coop local, ou en mode réseau. Voilà, après vous avez les extras, ce sera les petits films, les DLC, hop là. Ça, on va quitter ça. Pack, générique. Voilà, on va faire simple. La musique est vraiment très très bien, quoi, franchement. Ok, moi je peux rien faire. Ok. Voilà, c'est juste ça de leur point de vue. Menu principal, oui. Voilà, un joueur. Donc, ça fait longtemps que je vais le mettre en normal. Voilà, donc regardez bien. Non, attendez. Bizarre. Paye sous-titres. Voilà. Donc. Ouais, comment ça? Pourquoi ma manette ne fonctionne pas? What the fuck? Elle est allumée? Pff, merde. Je vois plus rien. Je suis aveugle. Bon, on va le faire clavier souris. Alors, attendez. Mais c'est bizarre parce que. Bon. Bon, on va faire comme ça, hein. Okay.
Ouh, l'effet 3D, bon, je suis pas en 3D, hein, mais la profondeur 3D, ouais, ça y est. Appuyez sur espace. Ah, regardez, on peut aller en bas. Je sais pas si vous avez vu. Donc moi personnellement c'est un petit jeu sympa. Bon, je vous montre souvent des petits jeux sympas, vous allez me dire, ah oh, voilà. Qui sont pas habituellement revus par les joueurs parce que bah des fois on se dit ouais c'est pourri, c'est un jeu pour les gosses. Et pas du tout. Vous allez voir. C'est. Alors je vais essayer de vous montrer au maximum. C'est là. Je sais pas. Ah non, il veut pas. C'est marrant ça. Je sais plus, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Parce que j'ai acheté presque dès sa sortie. Hein. Ah bah voilà, bon, vous voyez, ça va pas grand chose. Oh. Qui ne tente rien à rien. Et jouable à deux, franchement, c'est délire quoi. Hop. Ouh, des gros missiles. Ouh là là! Mais que va-t-il se passer? Normal. Ouh putain! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je crois. C'est marrant ça. Hop là. Eh, fallait y penser. Je crois, ouais, c'est après. Hop, et là, en fait, voyez, je vais mettre pause 2 minutes, vous allez voir. Voilà, ici, vous avez gagné en fait des smileys, tout simplement. On va continuer. Voilà, un autre signe est apparu quelque part dans ce chapitre. Ah si, c'est en anglais. Voilà, ça fait un peu penser aux Russes et aux Américains. Enfin voilà quoi, c'est un peu d'histoire pour certains. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais graphiquement, bon, certes, c'est en animé, mais il est vraiment très très bien fait quoi. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez, quand je les tue, en fait, il y a des balles qui apparaissent. Donc, c'est un peu le but. Ah! On peut rester comme ça longtemps, hein. Il y a un truc sur Steam
qui genre pendant 10 secondes en l'air. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Smoke shoot church. Hop. Un Uzi. Oh, mange ça. Ah ah, tu me vois, tu me vois plus. Hop. Hop. Une carte. Des babales. Raté. Oh, enfoiré. Ah, vous avez vu, ah, The Pro quoi. Hop 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 hop. Bon, on peut faire très ça très très longtemps hein. Bon c'est pas le but hein, mais je crois qu'il est un peu mort là. Voilà, hein, pour vous montrer vraiment le petit truc assez sympa. Hop, 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 hop. Allez, on peut pas avancer par contre, c'est un peu dommage. Rester dans l'ombre et puis... Hop. Hey. Ah, attendez, on va voir. Hey. Ah bah voilà. That's mine. That's mine. What the... It's time for some jet action. N'importe quoi. Voilà, vous avez plusieurs petites séquences, plateformes et... C'est vraiment un petit jeu sympa, vous allez voir, c'est... Wouhou! Défoncez toi! Ah, hop! Ouais, je base rap, comme dans BF4.
Non, je rigole. Je déteste les gens qui font ça. Oh, on bat dans la forêt. Eh, beau gosse, hein, franchement. Hop, ah merde. L'usine, il est chargé. L'arme est chargée. Oups. Bon, un peu moins maintenant. Bon, c'est long, hein. Alors, le but, c'est de tout péter. Voilà. Donc, ça fait un peu Seconde Guerre mondiale. Un peu déjanté. Mais c'est ce qui est bon. C'est ce qu'on aime. Ça, toi, ça fait mal. Le mec, il a même pas le temps de se lever, quoi. Noob. Ouais, je récupère les munitions, toujours bon à prendre. Hop, regardez, on l'a pas vu celui-là. Et oula, il y a du monde. Alors attendez. Crève, charogne. Voilà, on a 28 secondes et on va se barrer en courant. On recharge, hein. Oh, on est largement, on est large. Wouhou! Allez. Ok. Je suis Tarzan. Toi là-bas, tu es Jane. Toi, t'es mort. Ah bah voilà, ok, ça s'est fait. Ça a été rapide. Bon, je préfère jouer à la manette, hein, sur ce genre de truc, mais normalement ma manette fonctionne, je ne sais pas pourquoi, elle a pas voulu. Ouais, bon, c'est pas très grave. Oh, ça fait pas le même gameplay, c'est un... Hop là. Alors vous voyez, lui, il va me shooter là. Eh ben non. C'est pour voir si vous alliez croire. Oh bah lui par contre oui.
Ah non, là, voilà, on l'a pas. C'est pas ce que je me disais. Bon, je me suis dit, on sait jamais, peut-être qu'il y a un bug du jeu aussi. Oh, tellement rare de nos jours. Attends là. Oh. Eh merde. Ah. Ah ouais, par contre, l'effet 3D. Hop là, reste. Ouais. Crève, charogne. Toi, tu voulais me défoncer tout à l'heure, hein? T'as pas eu le temps. Je sais plus laquelle, c'était pas celle-ci, c'était l'autre. Ouais, je suis bête, c'est marqué en haut à gauche en plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de système de rechargement, des trucs comme ça. C'est vraiment, c'est fait pour tout le monde. Bon, un peu moins pour les enfants, parce que bon, il y a quand même des pingouins qui meurent, et oui, vous pouvez mourir aussi, donc du poulet qui meurt et un fusil à pompe. Oh 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 oh. Hop là! T'es mort? Ouais. C'est vrai. Lisez un peu ce qui est marqué, hein. Oui, tu voulais sauter, bien sûr. Oh, foiré. J'espère que je vais avoir de la vie parce que... Ouh, je suis mort. Donc voilà, je vous laisse un peu l'intrigue du jeu. Donc c'était Rocket Bird, donc qui est vraiment marrant comme jeu. Jouable en coop, multijoueur, enfin multijoueur coop toujours, hein, mais en ligne ou en réseau. Il est, je vous ai pas dit le prix, il est à 8€. Voilà, c'est pas excessif. Pour un petit jeu comme ça, j'ai dû jouer je ne sais plus combien de temps dessus. Bon, là j'ai vu que j'ai réinstallé Windows, enfin tout un patafouin. Voilà, ça m'a pas sauvegardé tout ce qu'il fallait. Que vous dire de plus, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et regardez les autres vidéos de présentation ou de gameplay entre guillemets avec musique assez dynamique. Que je fais aussi, je risque de faire des tutos sur Sony Vegas pour ceux qui sont intéressés. Alors ce sera pas des tutos à fond dedans, je vais vous expliquer comment on fait pour couper une vidéo, pourquoi le son faut éviter de l'étendre, enfin voilà, rien de trop compliqué. C'est fait pour les amateurs de montage vidéo. Je vous montrerai comment accélérer ou ralentir une vidéo sans qu'il y ait de saccade, pour éviter que la vidéo saccade. Voilà, donc je vous laisse et merci à vous de m'avoir regardé. Au revoir, à très bientôt.